Mais c'est vous n'est-ce pas, nous donner, n'est-ce pas, le reçoit, n'est-ce pas, de votre ouvrage. J'ai pas compris. Est-ce que je peux vous donner quoi? Le reçu, c'est ça. Le résumé. Votre ouvrage. En fait, l'idée, c'est en fait c'est une nouvelle manière de manager, de communiquer dans le management. C'est-à-dire qu'ici, en Europe, il y a des méthodes, il y a des modes de management qui sont, je pense, qui fonctionnent, mais qui manquent d'efficacité. Et donc, moi, je propose une nouvelle méthode de communiquer, de manager par la communication. Et cette communication s'appelle la mémo méthode. Donc, c'est une méthode qui permet, grâce à la mémoire, de communiquer un peu différemment. Donc, c'est en fait se soucier plus ou moins des personnes qui nous entourent pour être le plus efficace dans notre travail. En quelques mots, c'est ça. Et en cela, j'ai inventé une méthode qui n'existe pas et qui s'appelle donc la mémo méthode. Et je m'inscris dans un courant qui est la communication positive. Il a construit cette méthode qui est la méthode qui réunit et le chef d'entreprise par les moyens de son manager et les ouvriers. Donc il n'y aura plus le problème de distorsion entre la communication, entre l'économie, le social, l'entreprise se prend lui-même. Alors, cela, lorsque vous voyez le chef qui vous appelle votre nom, qui vous appelle par votre nom, c'est quelque chose de fantastique. Le chef le connaît. Et ça donne des ailes. Donc c'est cette méthode-là qui est en train de produire dans les entreprises.